Alright tout le monde, je suis Jossener, on se retrouve sur la suite de Ghost of Tsushima. Donc on s'avait laissé ici. Dernièrement, on est allé chercher l'armure, une armure légendaire du... comment il s'appelle? Gosaku. Et c'est ça, mais elle est quand même cool, je l'ai upgradé quand même pas pire. Donc là, tant qu'à être ici, on va faire la quest de... comment il s'appelle déjà? Seigneur Sakai. Norio. Norio. Où sont les moines de ton temple? C'est parti. Ochi et ses disciples sont venus du temple Sugi pour former des guérisseurs dans le village. Les Mongols les ont enlevés. Ils n'ont rien pris d'autre? Ils ont épargné le village car Ochi n'a pas résisté. Éliminer ceux qui protestent, récompenser la soumission, c'est la stratégie de Kotun. Il n'aurait jamais dû accepter de les suivre. Il s'est livré pour sauver le village. Les Mongols vont revenir. Il a seulement repoussé l'échéance. Alors c'est une chance que nous soyons là. Oh, fait qu'on va faire toutes les quests qu'on peut, man. Toutes les side quests, là. De chaque personnage. C'est quand même cool, l'armure qu'on a eue. J'ai hâte de voir l'armure du clan Sakai. Sais-tu où ils ont pu aller? Ils chevauchaient à travers les champs de thé. Retrouvons leurs traces. Nous devons protéger les moines. Les Mongols les épargneront pour leurs compétences médicales. On ne peut jurer de rien avec ces envahisseurs. Ouais, ça là-dessus, t'as raison, attends une petite minute, chum. J'ai du loot. Hey, cool, mon armure a fait légendaire. Elle fait légendaire. Ils sont venus par ici, à travers les champs de thé. Cherche des traces. Ok. Bon, ici. Pas des traces de Mongols. Y'a-t-il quelque chose ici, non? Bon. Toi, est-ce que tu peux upgrader quelque chose, toi? J'espère que j'ai ce dont vous avez besoin. Bof. On va avoir 6, là, j'en ai 4. Ouf. Au revoir. Moi, je vais économiser mes pots pour d'autres choses plus importantes. Bon. Ben là, c'est où les traces qu'on doit chercher, là? Ok, un peu partout comme ça, ici. Bon. Fait que là, les autres, ils étaient ici. Y'a pas des... Ah, et voilà. Je vois des traces. Ah, t'es là. Ils ont filé vers les marais. Viens. Tu as l'air de très bien connaître Ochi. Ochi se plaignait toujours du penchant de mon frère pour le combat. Quel genre de moine est Ochi? Certaines personnes souffraient d'une grave maladie à Sago, qui rongeait leur visage et leurs membres. Tout le monde les fuyait, sauf Ochi. Il vivait avec eux et les soignait. La bravoure revêt bien des formes. Ochi pense que les moines guerriers sont pleins de colère et de haine. Pourtant, quand je manie mon Naginata, je le fais pour le bien du plus grand nombre. Et je le fais sans haine. Ah, le dude, là, il est sage. Par là. Ouais, mon armure est vraiment cool. Je l'aime bien. Ici. On suit le chemin. Là, j'ai perdu des traces, je pense. Dans ce sens-là. Ah. Les voilà. Reste ici, Norio. Je ne veux pas que les moines soient mêlés à cela.
Ok, il y en a pas mal. Hein. On m'appelle pas le fantôme pour rien. Hey, ta gueule, man! Ah, c'est bien plate, man! M'as-tu vu? Bande de trous de cul. Et voilà. C'est fini, tout ira bien. Pitié ! Êtes-vous le samouraï revenu d'entre les morts ? Ochi est avec vous ? Ochi ? Non. Mais l'un de nous a fui. Les envahisseurs l'ont poursuivi. Ils seront bientôt de retour. Seigneur Sakai, des Mongols sur la route ! Norio ? Tu es vivant ? Que tout le monde recule ! Bon. Tengdwen ! Ah shit, j'ai fait A pour esquiver, je sais pas pourquoi. Good job, Norio. Personne n'est blessé ? Non, personne. Où est Ochi ? Un autre groupe l'a emmené. Norio. Ils connaissaient Ochi. Et ils ont mentionné le temple Sugi. Seigneur Sakai. Pourquoi avoir séparé Ochi des autres ? Il est le meilleur des guérisseurs. Ils doivent avoir besoin de lui. Il a aussi du caractère. Il les aurait contrariés ? Connaissant Ochi ? C'est possible. Ce n'est qu'une supposition. Tâchons d'abord de le retrouver. Laissez-moi le temps de trouver où les Mongols l'ont emmené. Je te retrouverai au village d'Akashima. Nous le trouverons, Norio. Ah, une petite mission vite faite. Ça a bien été, on s'est bien battu. Ah non, sérieux, là, j'aime bien le skin de mon katana. Celui-là qu'on a trouvé avec les oiseaux dessus, là, il est fucking up. L'armure est cool aussi, je vais la garder pendant un bout de temps. Puis ça attend que je trouve une armure plus cool. Mais la date, elle a l'air forte, man. Elle a l'air vraiment nice. Bon. Ah, on a-tu des flèches, là? On est plein. Ah, ok, non, c'est juste là pour faire beau. Ah, on a notre dude, il est juste là. On va-tu le voir? Il est juste à côté. Camp de réfugiés. Ishikawa-sensei m'a dit qu'il m'y retrouverait. On a un marchand. Il n'est pas là. Quelqu'un l'a peut-être vu. Mes produits vous seront utiles. La moindre goutte de saké pour l'autre. Je vous
Là, vous désirez quelque chose, monseigneur? Il serait cool ça, avec la coiffe comme ça. Pas grand chose, pour je vous laisse. C'est toujours un plaisir, monseigneur. Ah, oh, lui, le sais-tu? Beaucoup pensent qu'ils n'existent pas, mais les Kappa sont réels. Les Kappa? Des démons, monseigneur. On en a aperçu près d'une cabane de pêcheurs à Akashima. Démons. Ou humains. J'irai à leur recherche. J'espère que c'est ça. Ok. Un message ardent. Les murs. Fantômes du passé. Ah! Les enfants de la rivière. Un charme score encore. Tu sais, ça et tout, c'est popé. Il donne des side quests, c'est le monde qui parle. Mais bon, ok. Tu es au courant? Ishikawa Sensei n'est pas mort à Komoda. Il a survécu au combat? Comment? Il n'y a jamais été. Un archer tel que lui aurait pu nous aider face aux Mongols. C'est exactement ce qu'il fait maintenant. Quoi? Il les affronte? Oui, avec son nouvel élève. Venez voir ce que j'ai à vous offrir, monseigneur. Tu as su que le fantôme était entré à Azamo? Oui. Il a dû se déguiser en un marchand. Il a dit que la forêt était... Je cherche un samouraï. Un archer. Le sensei se dirigeait vers la côte. Il m'a dit que vous deviez le rejoindre à la chasse. Et que vous comprendriez le message. Rêve de conquête. Sensei, il y a des ennuis. Hey man, j'ai fait B, ta gueule. Yeah. Ooh. Thank you. Sakai, par ici. Reste couvert. Vous n'allez pas bien. Je survivrai. Vous auriez dû m'attendre dans le camp. J'étais sur la trace de Tomoe. Je ne voulais pas la perdre. Étaient-ce ces archers? L'un d'entre eux a crié mon nom. Il en vient d'autres. Pensez vos plaies. Je me charge d'eux. T'as une note, chum, j'ai vu un loot. Et là. Ça où? Quelqu'un qui a des flèches que je peux loot. Bel effort, Sakai.
Ils vous avaient encerclé. Tomoe les a bien formés. Ce n'est pas ce qui leur a donné l'avantage. Si tu veux m'éclairer, je t'écoute. Vous ne les avez pas remarqués, car vous étiez trop omnubilé par Tomoe. Moi aussi, je fais des erreurs, Sakai. Non, c'est faux. Sauf avec elle. Ne restons pas là. Let's go. Que savez-vous sur le camp ? Des archers, essentiellement. Tomoe les aurait menés à l'assaut à travers Akashima. Elle a leur confiance. On l'utilise pour diviser et conquérir, pour l'instant. Ah, mon épaulette à bug. Ah shit, t'as des kunai. Attends, man, c'est important, j'en ai plus de kunai. Sakai, où vas-tu ? Chercher des kunai, chum. Tomoe vous a trahi avant de s'allier aux Mongols. Vous ne m'avez jamais vraiment dit ce qui s'était passé. Elle a transmis mon savoir à une bande d'assassins. Ils payaient bien. Cela n'explique pas pourquoi elle vous a attaqué. Sakai, que fait un samouraï face à un assassin ? Vous avez riposté, en l'attaquant. J'ai agi avec Tomoe comme avec n'importe quel meurtrier. Mais elle était votre élève. Je ne fais pas d'exception, Sakai. D'abord Hironori Nagao, puis Tomoe. Ne sois pas le prochain à me décevoir. Mais il a manqué son coup avec Tomoe, fait que je pense pas qu'il puisse nous tuer. S'amuser. Non, pour s'entraîner. Ils sont sans pitié. L'excès de violence affaiblit le guerrier, tout comme l'excès de nourriture ou d'alcool. Vous m'avez dit que Tomoe était venue étudier dans votre dojo. Que faisait-elle avant cela ? Sa mère appartenait à une famille de marchands d'Umugi. Elle n'a pas connu son père. Pourquoi cette question ? Tuer est une chose qui s'apprend, même quand on est doué avec l'arc. Elle est née avec la soif du sang. Ah, il y a du sang là-bas, man. Encore l'œuvre de Tomoe. Leurs archers traquent les habitants d'Akashima comme des chiens. Tomoe et ses alliés sont dévorés par leur soif de violence. Un tueur maîtrise une arme, un samouraï se maîtrise lui-même. Vous avez voué votre vie à la maîtrise de l'arc ? Celle de l'arc, oui. Pas celle du meurtre. Là, vous jouez sur les mots. J'ai déjà attaché un homme à mon cheval avec la corde de mon arc, et utilisé une pointe de flèche pour m'en servir de lame. Vous voulez dire qu'un arc est plus qu'une arme ? Et qu'un samouraï est plus qu'un meurtrier. J'ai hâte de l'affronter, cette Tomoe-là. On va raisonner Tomoe. Nous n'aurons pas le choix. Il faudra la tuer. Je l'ai formée. Je suis responsable de ses actes. Je l'arrêterai. Vous n'êtes responsable que si vous avez attisé sa soif de violence. J'ai fait d'elle mon élève. J'aurais dû percevoir la part d'ombre en elle. Vous n'avez rien vu. Et cela vous effraie. Ah, cela me dérange. Nous y sommes presque. Nous procéderons comme au fort de Nakayama. Observez le camp, cherchez des points faibles, établir un plan d'attaque. Tout juste, Sakai. Deux regards, un seul tir. Nous allons poursuivre à pied. Ah, sont là. C'est sans aucun doute un grand entraînement d'archer. On les pète ou... Ok, je dois aller ici. Archerie de style mongol. En partie.
Mais Tomoe les entraîne. Ils s'entraînent à affronter des samouraïs. Nous leur donnerons une autre leçon. Prenons d'abord le camp. Et nous la trouverons ensuite. Dès que tu auras lancé l'attaque, je décocherai mes flèches. Ok, atteignez le lieu d'intérêt. Je me suis attiré lui et tout. Je peux bien aller, chum. Comment, dude, si t'es à côté de toi, Chris, donne un coup dans le vide. Au château de Canada n'était pas un hasard. Tu t'améliores. Tomoe n'est pas là. Mieux vaut en être sûr. Allons vérifier. Une liste d'équipements. Des cibles et des arcs japonais. Livrés aux quatre coins de Toyotama. Elles mettent en place des camps d'entraînement. Un à Otsuna, un autre à Kushi. Et ce n'est pas fini. En japonais. Qu'est-il écrit ? Grand Khan, conquérant de Tsushima. Avant la fin de l'année, j'aurai enseigné à vos archers la façon de tuer des samouraïs, et je vous aurai livré la tête d'Ishikawa Sensei et de Jin Sakai. Tomoe était là. Je lui ai tout donné. Et elle a tout renié. Elle est dangereuse. Il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à tout cela. Je sais ce que je dois faire. Vous le savez, mais le pourrez-vous seulement. Tu contestes mon statut de samouraï ? Tomoe est ma plus grande réussite. Mais s'il le faut, je la tuerai pour le salut de cette île. J'en ai le devoir. La liste d'équipements. Elle nous permettra de localiser les autres camps. Et la trahison de Tomoe prendra fin. Sakai. Tu es un excellent guerrier. Tu pourrais devenir un grand chef. Mais ne remets jamais plus mon intégrité en doute. Ah, on sait jamais, hein. Bon. Damn. Une pleine mission, là, man, avec Tomoe. On est rendu à quoi, là? 6? Ça, c'est 7. Ça, il va en rester 2, man. Ah, si, qu'on a du stock à faire, ça n'a pas d'allure.
Je pourrais peut-être essayer ça. Réduit le délai de la concentration. Deux ennemis se précipitent vers vous et s'exposent au coup fatal. Ça, c'est pas pire. Il faut deux points. Ok, je vais économiser un autre point de bord. Alright, bon, ça c'est fait. Bon, mais on a lui qui est juste à côté. Est-ce qu'on se rend? On le fait-tu? Non, j'ai goût d'aller faire lui ici. La petite side quest qu'on a faite là, ben qu'on a pogné vite vite. Secret à nous montrer, lui. Monseigneur, il est... Il est venu cette nuit. Vous l'avez vu ? Essayez de vous calmer. Comment vous appelez-vous ? Shino, monseigneur. Shino. Dites-moi ce que vous avez vu. Un enfant de la rivière. Un kappa. Un démon ? Vous en êtes sûr ? C'est comme dans les histoires que racontait mon père. Un monstre dans la rivière. Des marques de griffes sur le sol. Vous avez de la chance d'être encore en vie. J'étais cachée pendant que mon père essayait d'éloigner le kappa. J'ai entendu plonger et hurler. Je vais le retrouver, Shino. Restez ici. Ne vous approchez pas de l'eau. On va aller voir ça. Les enfants de la rivière. Ah ben oui, toi, on a comme des traces bizarres. Soyez prudent, monseigneur. Curieux de voir c'est quoi. Renversé. Quelque chose était pressé. Des poissons à demi dévorés. Quelque chose était affamé. Des traces, humaines ou animales, je l'ignore. Elles mènent à la rivière. Ben cool, ça. Les traces reprennent. Ah, ok. Qui veut m'affronter en premier ? À nous la récompense ! Fuck ! Ah, c'est que j'ai ça, man ! Fait qu'ils te font des hosties de feintes, là. D'accord, les crèves. Va me le payer. Trop de cul. Damn.
Il longe la rivière. Ah! Sûrement le père de Shino. Des plaies terribles mais nettes. Infligées par une lame, son meurtrier a peut-être laissé des traces. D'autres traces, dans cette direction. Bien curieux de voir c'est qui. Du poisson cuit. Les traces sont pas humaines. Je pense ça, c'est comme le soulier ou c'est lui qui a comme des pieds fucking dégueulasses ou les... Je suis là! Ce n'était pas l'œuvre d'un kappa. Des voleurs et des meurtriers, tout aussi monstrueux. Nice. Saleté de samouraï. Est-ce que c'est fatigant? Oh, allez, je suis jamais quand le bloquer. Pourtant, man, là, j'ai l'impression de bloquer au bon moment. Quelque chose. Puis je me fais tout le temps avoir. Une flûte. Elle devait appartenir au père de Shino. Je vais la rapporter à Shino. Ah, les side quests sont pas tant cool, là. C'est genre juste de va chercher ça, puis va le reporter à l'autre. Comme là, on avait les enfants de la forêt, des démons, t'es comme, ah, des démons, ça va être cool. Là, ben, pour finalement arriver, puis dire, ouais, ben... Il y en a pas d'enfants de la forêt, là, tu comprends? Ce qui fait que c'est décevant. On a juste pété une coupe de bandits, puis c'est fini. Hein? Je trouve que c'est une perte de temps, ces sidequests, là. Donc on va vraiment se concentrer sur les side quests là des de nos alliés en fait. Mon père. Je suis navré, Shino. Le kappa l'a tué. Pas un kappa, non. Mais des voleurs. Non. Seul un démon peut faire une telle chose. Le désespoir réveille le démon qui sommeille en bien des hommes. Avez-vous un endroit où aller? Akashima. Ma tante vit là-bas. Ceci était-il à votre père? Oui. Il m'accompagnera à Akashima. Merci. Je vais bientôt aller au village. Ah, c'est que c'est hot de samouraï, man. Les protecteurs du peuple sont fucking hot. Avec leur honneur et tout, là. Protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ah, réduit tous les dégâts de façon modérée. Réduit tous les dégâts de façon modérée. Ouais.
On est correct, je pense. Bon. Ça, c'est tel que tel. Hein. J'ai le goût d'aller faire la mission de Tomoe, là, pour vrai. Mon armure en noir ressemblera à quoi, en fait? La couleur de l'ombre. Terminer la légende de Tadaiori. Mais est-ce que je peux voir un aperçu de l'armure noire? Même pas. Dommage. Oh, elle ressemble à ça. Chris, c'est pas pire. Ah ouais, pas pire, man. Je peux l'avoir. Elle est pas pire, mais... Elle est trop noire. Là, ça fit plus avec mes affaires rouges. Je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Elle est belle, de même. L'un des camps d'entraînement de Tomoe est par ici. Ah gros, c'est 10 fleurs, man. Je pense que je vais l'acheter quand même. Puis je vais voir si vraiment elle est cool ou non. Parce que j'avoue qu'elle est quand même vraiment... Elle est quand même nice. Enveloppez-vous du voile de ténèbres. En vous voyant, on croira que la nuit elle-même a pris les armes. Ouais, cool. Mais elle fit plus, là. Elle fit plus ben. Faudrait que je change de bandeau. Ouais, mais je vais mettre le bandeau noir de même, mais... Là, ça fit plus avec mes... Nah. Ouais, je l'ai acheté, là. Elle est cool. Mais je pense que je l'ai mis en rouge. Ouais. Ne me tuez pas! Que se passe-t-il? Prenez ce que vous voudrez! Hein? Ah, c'est une side quest, ça, ici? Ah, ben non! Laissez-moi! Je jure de ne rien dire à personne! Pour qui me prenez-vous? Tout le monde sait que vous attaquez les caravanes! Le fantôme et le démon sensei! Ishikawa sensei? C'est insensé. Je vous ai entendu. Entendu? Quand? Il n'y a pas longtemps. Ravageant la route comme des loups affamés. What? Le fantôme et le démon sensei. Ah. Comment Ishikawa sensei et moi pouvons-nous être pris pour des bandits? Allons au nord, découvrir qui est responsable. Sortez vos épées! Yeah! Batman, on les pète d'un coup, là. Ah,
Ah, ça vient dessus, Calis. Oh! Sakai, sensei. C'est bon, ok, man, j'ai sauté loin en tabarnak. Ne me remerciez pas, surtout. Ah, t'es tout le temps pogné, toi, man. Vous êtes le fantôme. Que s'est-il passé? Sa caravane a été attaquée. Les attaques se multiplient ces temps-ci. On raconte que vous volez des marchandises et que vous aidez les Mongols. Ne bouge pas. Je dois parler au seigneur Sakai. C'est l'œuvre de Tomoe. Elle sème la peur et la paranoïa. Elle attaque des convois, puis nous accuse. Je n'ai pas rattrapé son groupe à temps. Je l'ai sauvé, mais pas les autres. Où a-t-il été attaqué? Près d'ici. Pourquoi? Si on trouve le lieu de l'attaque, nous pourrons pister les assaillants jusqu'à leur camp. En effet, oui. Un problème? Non, rien. Elle m'a déstabilisé. Nous allons l'arrêter. Repose-toi. Mange ce que je t'ai donné, et attends un peu avant de partir. Merci, sensei. Montrez-moi où il a été attaqué. Comment m'as-tu trouvé? Quelqu'un a entendu un convoi pris en chasse. Les gens évitent les routes à cause de Tomoe. Quand j'ai eu vent d'un marchand qui tentait un ravitaillement, je l'ai suivi. Pourquoi Tomoe attaque-t-elle les ravitaillements de la préfecture de Kushi? Elle n'a pas d'intérêt stratégique? Non. Mais le temple de Kushi est vénéré. Il cherche peut-être à nuire au moral du peuple. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Je pense que c'est une des raisons, mais pas la seule. Tomoe a bafoué tout ce que je lui ai appris. Puis elle m'a trahi. Et après moi, son peuple. Je la traquerai plus loin que l'horizon s'il le faut. On peut courir, man. Je sais pas pourquoi que je marchais, moi, là. Voilà le convoi. Et d'autres victimes de Tomoe. Voyons ce qu'il nous apprend. C'est une mise en garde aux habitants de Kushi. De Tomoe. Le seigneur Sakai et Ishikawa Sensei interdisent toute circulation sur ces routes, sous peine de mort. Sommaire, mais dissuasif. Bah, ceux-là qui créent sont un peu épais, là. Pas d'autres survivants. Des flèches japonaises et mongoles? Évidemment. Ils ont fui par la route. Et nous les trouverons. C'est la dernière fois que Tomoe et ses hommes attaquent quelqu'un dans la préfecture de Kushi. Viens. Ah, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Descends de cheval! Vite! Nous n'avons pas le temps d'étudier le camp. Voyez qui s'élance sans finir de nouer son hakama. Pourquoi est-elle seule ici? Anza! Non, c'est pas un piège. Excusez, je vais retourner voir mon armure. Je suis quand même curieux de voir mon armure. Ok, comme ça. Huh. Si je mets mon armure noire, il va falloir que je change un peu les couleurs. Mais je l'aime bien comme ça. Comme ça, elle est trop noire, je pense. Comme ça, elle est cool. Ah, fuck, je l'ai changé. J'ai pas fait A, mais c'est juste changer la... Non, rouge est plus belle. Vous serez bientôt libre. Et une embuscade.
Non, non, pitié, non. Nous venons vous aider. Elle a dit... Tomoe ? Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit que je vivrai jusqu'à ce qu'un samouraï arrive. Oh non ! La falaise ! Mais pourquoi qu'elle nous a dit de la détacher ? Ah, ils sont bien fatigués en calice. Bon, oh, t'attends, là. Ah. Merci, chum. Et nous nous sommes jetés dedans. Je lui ai parlé, il y a 2 jours. À Tomoe ? À l'otage. Je l'ai entendu parler d'une japonaise qu'elle avait vue avec des Mongols. Je lui ai demandé de trouver où était leur campement et de me le dire. Vous plaisantez ? Nous aurions pu la surprendre. Et c'est devant le corps de Tomoe que nous serions. Vous tenez des discours sur les valeurs des guerriers et le mépris que Tomoe leur accorde ? Mais vous n'êtes pas différent d'elle. Tu nous demandes d'être parfait. Ton oncle, moi, Masako Adachi. Mais seul un enfant croit à la perfection de ses aînés. Continuez, Sensei. Nous portons tous des armes. De nous dépendent la vie et la mort. Et vous maniez ce pouvoir avec bien trop d'aisance. Dans le cas contraire, je serais mort. Et toi aussi. Fantôme. Tout le monde n'a pas l'âme d'un samouraï. Mais nous tuons tous. Ah, puis nous autres, ben, on a renié notre... Encore un camp à démanteler à Otsuna. Nous autres, ben, on a comme brisé notre code, vu qu'on est comme discret. Fait que ça, c'est comme notre... Ben, c'est ça. Ça fait partie, nous autres, de notre imperfection. Mais au moins, on tue pas d'innocent, tu sais. Lui, Chris, il sert d'une innocente. C'est pas tant hot, ça. C'est pas tant hot, ça, chum. Alright. Ça, c'est fait. Ah, on a plein de dieux. C'est quoi, ça? De la fumée s'élève depuis un sanctuaire. Bon. On va aller voir lui qui est là. Ouais, on continue nos... J'ai peur que la quest qu'on vient de voir elle soit inutile et qu'elle soit plate à faire un peu. Oh, un camp mongol. C'est un camp mongol? Mais non, t'es bien fait. Ah ouais, ben malgré que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'armure là sur lui. C'est un camp mongol ça ici? Je vais aller là. En tout cas, bon, ah ouais. Je vais faire le surplus là quand je vais être rendu vers la fin du jeu. Ouch. Sorry, man. Ah, Liz, y'a bien de la montagne ici de Calis. Pour pas avoir un chemin droit, esti. Bon. Là et tout. Ah ouais. Oh shit. Qu'est-ce qu'il se calisse en bas, lui, épais? Ah, il a su dropper.
Ah, oh, alright. Bon, y a-t-il un chemin droit là, de m'amener, là? Tromper le bouton. Bon, ben on est rendu. Finalement, on s'est rendu là à pied, si. Laisse faire. Et c'est Ran qui a découvert leur camp? Exact, Sensei. Sakai. Ishikawa, Sensei. Tout ceci est l'œuvre de Tomoe. Elle et ses Mongols ont eu fort à faire. Une femme d'ici, dénommée Ran, sait où la trouver. Je vous suis. Comment sait-elle où se trouve le camp de Tomoe? Elle l'a découvert par hasard en cherchant à manger dans les bois. Elle a de la chance d'être en vie. Tous ses compagnons ont été tués. Vous vous appelez Ran? Oui, mes seigneurs. Les Mongols qui vous ont attaqué, ils avaient une japonaise à leur tête. Tomoe. Je n'oublierai jamais ce visage. À l'époque, elle chevauchait avec un groupe de voleurs d'ici. C'est impossible. Tomoe vient de la préfecture d'Umugi. Elle est arrivée jusqu'ici. Son arc a terrorisé Otsuna pendant des années. On disait qu'elle était capable d'abattre un aigle en plein vol, les yeux bandés. Le camp que vous avez trouvé, où est-il? Dans la forêt, au sud-ouest d'ici. Entre la rivière et la côte occidentale. Ouais. Ah, c'est qu'on est badass, man. C'est que l'armure est cool. Je l'aime vraiment beaucoup, man, l'armure. Tomoe, ce que je lui ai enseigné. Les secrets partagés. Elle a tout gâché. Le vieil imbécile. Pourquoi m'aurait-elle menti? Tomoe ne vous a jamais rien dit de tout cela. Avant ce conflit, j'ai voulu faire de Tomoe ma fille, en faire un samouraï. Pour quelqu'un comme elle, c'est une opportunité rare. Ensuite, je me suis rétracté. Parce que c'est une tueuse à gages. Parce que son sensei a échoué. Elle est retournée à son ancienne vie. C'est une chose de se voir privée d'une nouvelle vie, mais de là à terrifier ses semblables. Je le sais bien, Sakai. Vraiment. Puis-je compter sur vous pour faire le nécessaire? Nous avons un camp à trouver. Man, je suis pas mal sûr que la dernière émission là va être. Ouais. Voyons d'un bon œil que Tomoe soit revenue en terre inconnue. Elle doit être désespérée. Elle a pourtant l'Empire mongol à ses côtés. Plus nous saperons ses efforts, plus le Khan risque de lui retirer son soutien. Nous pourrions en tirer avantage, creuser un gouffre entre eux. Et si nous réussissions, et que Tomoe renie la cause des Mongols? Après tout ce qu'elle a fait, elle mérite d'être punie. Même si elle se disait prête à se battre pour nous? Vous la croiriez? Non. La femme à qui on a parlé a dit que Tomoe semait la terreur. Ça devait être il y a bien longtemps, quand Tomoe était jeune. Adolescente. Et elle vivait parmi les bandits. Difficile, même à deux fois son âge. Et vous n'avez jamais rien suspecté. Lorsque j'ai commencé à la former, elle cachait une petite lame dans sa manche et volait discrètement à manger. Je comprends que vous ayez fermé les yeux là-dessus. Mais il n'y avait pas que ça. Je tenais tellement à en faire mon héritière que j'ai refusé de voir la vérité. Le camp devrait être tout près. L'endroit idéal pour des archers embusqués. Sois sur tes gardes. Ah, c'est plate, à toutes les fois que je prends mon cheval, si mon armure a bug. Ben, mon épaulette droite. Cache-toi et trouve un endroit d'où observer le camp. Par ici. Toujours la même chose. Que vois-tu? Des flèches japonaises. Évidemment. Yo, tu peux pas me voir, je suis dans une mission, chum, là.
L'œuvre de Tomoe va détruire ce camp. D'accord. Essaie de trouver Tomoe. À votre signal, Sensei. Je me montrerai quand tu lanceras l'assaut. You had life, Paul. Oh wait. Allez, défends-toi, man. Elle a été vue ici récemment. Regarde partout. Y'a pas de message, rien. Sensei, par ici. Peut-être Tomoe. Le Sensei et le fantôme. Ah, j'en ai plus qu'assez de vous deux. Tes archers sont morts. C'est fini. Embuscade. Retrouve Tomoe. Je m'occupe de ces imbéciles. Elle est partie où? Ok, j'ai hâte de suivre le chemin. Elle est là. Tomoe, il n'y a qu'une issue. C'est ce que tu crois, ça. Es-tu belle, Tomoe? Curieux de voir son visage. Mais elle a un masque. Va falloir faire mieux que ça, Seigneur Sakai. Elle va se pitcher en bas. C'est donc toi, Sakai. Le nouveau larbin du Sensei. Et toi, l'élève prodige qui a renoncé à une vie meilleure et a tout gâché. C'est ce qu'il t'a raconté ? Tomoe, pourquoi discuter ? Parce qu'il fallait que je te mette en garde. Mon Sensei a essayé de me tuer. Il en fera autant avec toi. Merci pour l'attention. Mais je suis là pour en finir. C'est déjà terminé. Je n'ai plus rien. Plus personne. Dépose ton arc, Tomoe. A-t-elle perdu la tête ? Elle a disparu. Je dois le dire à Ishikawa-sensei. Ben, c'est sûr qu'il essayait de te tuer si te... T'sais... Si elle l'a trahi, c'est sûr qu'elle a essayé de le tuer. Ben, qui a essayé de la tuer. Oh, cool! Ben, elle avait pas l'air si méchante que ça, là. Vite de même, mais bon. La survie. Tortueux agité. Source de la vie. Ah, ça c'est hot. La nuit pour repère. Ah, c'est tout, c'est hot. Source de la vie. Les mains tendues, seul rempart. Les lames s'émoussent. Les réponses cachées. C'est tout?
Les visions limpides. La richesse laissée. Limpide, j'ai dit limpide. Des réponses cachées. Source de la vie. Trop oisives, les lames s'émoussent. Des réponses cachées. Bon, je sais pas trop si ça fait du sens, mais bon. Mais c'est cool, ça nous donne tant des bandeaux, man. Oh, il est bien hot. Il est hot, man. Mais lui, il est plus hot. Lui, ce que j'aime, regarde, moi, c'est les cheveux. C'est de même, on dirait qu'il est comme trop large. Il est cool. Ben, il est quand même cool. Puis lui ici, ben, tu sais, j'aime mieux les cheveux de celui-là. On va le porter, man, on sait jamais. Il est quand même nice. Je le trouve cool, moi. On pourra bientôt se reposer. Ben, je le trouve cool, mais on dirait qu'il paraît pas beaucoup, moi, sur mon personnage. Je pense que je vais reprendre le même bandeau. T'es plus hot. Au bout, plus vite! Sakai, que s'est-il passé? Tomoe aurait pu me tuer, mais elle n'a rien fait. Tu l'as laissé s'enfuir. Elle s'est jetée dans le vide. Je l'ai vue. Tu as vu ce qu'elle a voulu te montrer. Elle semblait désespérée. Elle l'est, à cause de nous. Pourquoi pense-t-elle que vous allez me trahir? Elle n'en pense rien. Elle essaie seulement de creuser un gouffre entre nous. Et c'est réussi. Non, je vous rassure. Tant mieux. Mais la prochaine fois que tu te demandes si je pourrais la tuer, pose-toi la même question. Tomoe n'en a pas encore terminé. Je pense qu'elle ira au nord pour demander leur aide aux Mongols. Nous la trouverons. All right. Ok, c'est bon. Peux-tu jouer? Là, est-ce que c'est fini avec lui, là? Je pense que c'est fini avec lui pour l'instant. Non, il est plus là. Alright, fait qu'on a terminé sa side quest avec pour l'instant. Après ça, on a tout ça, là, plus tard. Bon, fait que là, nous, on est là. Ça, c'est quoi, ça? Paix divine? Bof, ça doit être une petite side quest de merde. On va peut-être la faire vers la fin. On va continuer avec Norio, je pense. Là, je peux améliorer l'armure, les arcs, hôtel de faveur. Seigneur Sakai! Merci. Rien ne peut remplacer un arc de qualité. 400 de provisions pour mon arc long. Bambou 100. Calice, hein? Ah ouais. Un arc inégalable. Merci. Votre arc va terrifier. Seigneur Sakai. Norio. Ochi occupe tous les esprits. Une pause s'imposait. Les moments comme celui-ci sont devenus rares. J'étais comme eux autrefois. Je ne suis plus celui que j'étais à la veille de Komoda. Comment était-ce? Komoda? Un cauchemar.
Tout le monde a été tué. Le sable était tellement imbibé de sang, on aurait dit un marais. C'était une vision d'horreur. Nous avions chevauché vers le sud, jusqu'à la nuit. Une tempête nous empêchait d'avancer. Nous nous sommes reposés dans une ferme. J'ai entendu des hurlements. La maison était en feu. Des Mongols partout. Ils nous ont conduits à Kaneda enchaînés. Quand j'y pense, j'aurais préféré mourir au combat. Je crois savoir où se trouve Ochi. Veux-tu que nous partions ? Oui. On va s'avancer le plus qu'on peut, man. On fait des side quests. Ben, c'est comme des quests, mais avec nos alliés. Tu sais, c'est pas des quests qu'on a, on est obligé de faire, mais je les trouve quand même importantes. Les Mongols s'y arrêtent pour embarquer provisions et prisonniers vers le nord. S'ils l'envoient en mer, nous le perdons. Seigneur Sakai, quand tout sera terminé, que ferez-vous ? Ah, cela, la reconstruction. J'espère pouvoir un jour rentrer chez moi et reconstruire ma vie. J'aimerais avoir le même sentiment pour mon temple. Pendant longtemps, ma voie a été tracée. Je suivais le sentier Octu. Fonder une famille, servir le temple Sugi. Tu peux encore faire ces choses. J'ai rejoint le temple pour suivre mon frère. Et j'ai toujours imaginé mes enfants et ceux d'Enjo grandir ensemble. Nos femmes seraient même devenues amies. Les Mongols n'ont pas tout pris, Norio. Un jour, ils partiront. Et tu auras encore toute une vie devant toi. Mais j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient pas. Je dois vivre pour Enjo et tous les moines qui sont tombés. N'avez-vous pas cette impression vis-à-vis des samouraïs de Komoda, de leur être redevable ? Parfois, comme si ma vie comptait pour celle de 100 samouraïs. Mais cela paraît impossible. C'est peut-être normal. C'est comme si un autre avait vécu ma propre vie avant l'invasion. Comme mon enfance. Dans 20 ans, peut-être verras-tu le moment présent de la même façon. Seigneur Sakai, vous rappelez-vous de la position d'Ochi sur la question de la violence ? Tu m'as dit qu'il désapprouvait les moines guerriers. Il aborde toutes les armes, y compris la vôtre et la mienne. Il pourra me faire la morale quand il sera en sûreté dans le village d'Akashima. Nous ne sommes plus très loin du camp. Un garde mongol ! Renversez-le. Envoyez votre meilleur guerrier. Ah ouais, affrontez-moi. Nous devons trouver un point de vue sur le camp. Que pensez-vous de ce grenier ? Bien, réchauffe. Yeah. Going on. Ah, il y a des bombes partout, man. On est plein. C'est des bombes fumigènes que j'ai pu, man. Ça fait un acide bout que j'en ai pas eu. Nous devons trouver Ochi. Les Mongols détiennent quelqu'un là. Ochi, ça ne peut être que lui. Si j'y vais seul, je pourrais l'atteindre sans que les Mongols me voient. Un canon d'alarme mongol. Je pourrais l'allumer. Attirer leur attention. Pendant que je libère Ochi. Quand j'aurai trouvé Ochi, rejoins-moi là. Si je ne suis pas là, ne m'attendez pas. Ramenez Ochi au village. Je m'en sortirai. Je vous retrouverai au village d'Akashima. Déclenche le canon d'alarme. Je m'occupe d'Ochi. Confiez-vous au Bouddha Amitabha, Seigneur. Oui, pareil, merci. Y vas-tu? Ok, c'est pas tout de suite. Ok. Non, je sais pas trop comment je vais m'y prendre.
Lui va me voir. Shit, y'a bien du monde, tabarnak. Oh shit! Whoop. Je m'attendais pas à ça. Calice. What? C'est tu fais là, chum? Ah, shit. C'est ça que je voulais? Je tue tout le monde, genre, sans me faire voir, man. Y'a ben trop de monde partout, esti. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Un ami. Vite, pardon. Je ne peux pas. Les Mongols me ramènent au temple Sugi. Les gens là-bas ont grand besoin de guérisseurs. Nous n'avons pas le temps. Je regrette. Mais je ne partirai jamais. Jin! Ochi! Norio! Mais que fais-tu ici? L'alerte a attiré un groupe de guerriers voisins. Ils arrivent. Malédiction. Restez derrière nous. Nous vous protégerons. Norio, prépare ta lame. C'est bien hot! Votre sensei est un moine du temple Sugi. Les autres sont-ils avec toi, Norio? Ils sont tous morts. Il ne reste que moi. Je suis navré. Puisse ce maudit bain de sang bientôt cesser. Les Mongols étaient à ma recherche. Je me suis rendu dans l'espoir de sauver des vies. Mais comment ont-ils su où vous trouver? Ils savaient que j'étais à Akashima. Ils voulaient que je retourne au temple Sugi. Il leur faut un guérisseur. Vous voulez soigner les blessés du camp adverse? Mongols, Japonais, nous souffrons tous. Certains le méritent. Doit-on comprendre? Que le temple est perdu? Je l'ignore. Norio, raccompagne Ochi au village avant l'arrivée des renforts. Ils vont vouloir se venger. Nous organiserons notre défense là-bas. Une bonne chose est faite. Ouais, man, notre armure est vraiment cool. J'aime bien le design, là. Même nos katanas pis tout, là. Comment nice. Quelqu'un qui a des bombes fumigènes, man. J'en trouve plus, ça fait un esti de bout, man. C'est comme si ça existerait plus pantoute.
Lui, il nous avait dit de nous rejoindre de là-bas, là. Ben, c'est nous qui avait dit qu'on allait se rejoindre là. Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans la petite cabane. Pas grand-chose, ok. Bon. Ah, Norio, il est encore là. Ça, c'est le final boss. Ou l'avant-dernier boss. Parce que lui doit obéir à des... Seigneur, à quelqu'un de plus... Merci de encore. Plus haut. Norio, on ne doit pas répondre à la violence. Violence. Il le faut pour éviter à d'autres de souffrir. Si l'on tue ces pillards, d'autres riposteront. Nous, on est en guerre, man. On n'a pas le choix. Toi, tu comprends pas, innocent. Seigneur Sakai. Quel est le problème? Des Mongols se rassemblent non loin. Ils s'apprêtent à frapper. Nous devons nous rendre au château de Kaneda. Partez, et les Mongols vous pourchasseront. Aucun d'entre vous ne verra les murailles de Kaneda. Mais nous ne ferons pas couler le sang. Allez faire part de votre plan au village, Ochi. J'aimerais bien voir ça. Norio, si seulement tu savais faire passer le sentier octuple avant l'opinion d'autrui. D'abord Enjo, que tu as voulu suivre. À présent, le seigneur Sakai. Ne penses-tu jamais par toi-même? Je vous défends de parler de mon frère. Assez. Norio et moi livrerons bataille. Tous les autres peuvent se cacher. Je ne me cacherai pas. Je refuse de tuer. Mais je ne suis pas un lâche. Je vais explorer le village, et voir quelles mesures défensives peuvent être mises en place. Que tout le monde se rassemble, et se prépare à se mettre à l'abri. On voit vraiment que les développeurs, ils ont vraiment mis là le... Toi devrait convenir. Écoutez-moi. Le maximum dans ce jeu-là, man, c'est vraiment genre le plus accurate possible du samouraï. C'est comme les affaires de bambou, les méditations, les ci, les ça, man, c'est vraiment nice, c'est vraiment beau. Comme même les titres, là, avec le petit... tu sais, je veux dire, je sais pas, ça... Non, c'est nice. Très bien fait. C'est parfait. Pas de mur. Les Mongols peuvent attaquer n'importe où. Ne vous éloignez pas. Pas de panique. En fuyant par le marécage, les gens risquent de se perdre, de se trouver séparés et de devenir des proies faciles. Il ne manque personne. Gardez vos proches près de vous. Un temple. Les villageois pourraient s'y cacher. Des brûleurs d'encens. En y ajoutant de la poudre noire, on obtiendrait une épaisse fumée, suffisamment dense pour se cacher. Norio et Ochi conduiront tout le monde au temple. J'affronterai les Mongols ici. Ils s'en prendront à moi, pas aux villageois. Monseigneur, nous avons rassemblé tout le monde. Conduis-les au temple. Je ne vous laisserai pas vous battre seul. Si les Mongols atteignent le temple, qui va protéger ces gens ? Alors c'est d'accord, j'irai. Prépare ton naginata. Je te devrai une jarre de saké si tu arrives à supporter Ochi. Écoutez-moi, les Mongols seront bientôt là. Suivez-moi jusqu'au temple. Les envahisseurs subiront la fureur d'un samouraï. Écoutez-moi tous! Faites ce petit Norio! Nous nous abriterons dans le temple! Oh, il y en a un tabarnak, ok? Assurez-vous que votre famille vous suit. N'abandonnez personne. Tous au temple. Dépêchez-vous. On les prépare, mais on les allume pas. Trouver un endroit où attendre en bordure du village. Je peux me cacher dans un grenier à riz.
ils sont là. C'est le moment d'allumer les brûleurs d'encens. J'espère que les Mongols aiment la fumée. Nice. Oh! C'est une... Oh ouais, c'est une corde, toi! Barnac! Alright. Lâche pas. Tabarnak! Mieux l'autre. Pogner des flèches là, ni j'ai plus rien. Ça, on est tabarnak. On cache les calices. Oh! Tabarnak! Est-ce que j'ai ça? C'est trop réaliste, man! Ça passe à deux pouces à côté de sa face, sti! Attends, man! Je devrais aller voir Norio et Uchi. Mais ça passe à deux pouces de leur face, tabarnak! Puis je le manque, calice! C'est un jeu que je joue, là, c'est pas la vraie vie. C'est quand même bien été, man, pour elle, je m'attendais à pire que ça, sti! Ah, il est où le temple, Calis? Ok, il est loin. Shit. Norio! Seigneur Sakai! Seigneur Sakai! J'ai besoin de vous! Je suis à bout de force! Oh, les scénarios, qu'est-ce que tu fais?
J'ai besoin de vous! Oh ouais, attends, man, là. Là, je donne une cutscene, là, t'as une petite minute, là. Ah ouais, là, tabarnak. Ah, ok. Ah, c'est... Gros, c'est comme pas le bon temps, là. Oh, sorry, chum. Man, elle est achevée. Ouais, mais c'est guéri tout seul. Passé, Norio. J'étais en train de me battre. Un Mongol a surgi derrière moi. Ochi s'était lancé et a reçu un coup qui m'était destiné. Vous avez été tous deux plus courageux que bon nombre de samouraïs. Bon, ben Ochi, tu vois qu'est-ce que ça fait pas tuer personne quand t'es en guerre? Niaiseux, tu crèves. On l'a sauvé pour rien. Il était derrière moi jusqu'à ce que je l'entende crier. J'ai à peine eu le temps de me retourner. C'était trop tard. Épais. Il ne faut pas se sentir coupable. Norio. À chaque fois qu'il découvrait la fosse, la lumière du jour nous aveuglait. Cette fois-là, l'un d'entre eux empestait le saké. J'ai senti leurs mains me hisser, mais mon frère s'est jeté sur eux. Il était affamé et blessé, mais il s'est battu avec tellement de force. Norio, tu n'es pas obligé de... Si, je le suis. Ils m'ont relâché et ont pris Enjo. Ils ont pris mon frère. Tous ceux qui ont pris la route du sud depuis le temple sont morts. Tous sauf moi. Ils méritaient de vivre. C'est moi qui aurais dû mourir. J'ai pensé la même chose après Komoda. Et plus d'une fois. J'ignore pourquoi nous avons survécu, Norio. Mais c'est ainsi. Et tous ces gens comptent sur nous. Nous sommes leur seul espoir. Les habitants d'Akashima ont survécu grâce à toi. N'oublie jamais ça. Eux s'en souviendront. Ah, il était peint un peu, tu sais, le gars, il a même pas d'armes. Il a pas d'armes, fuck all. Le Steve veut pas tuer personne, mais il s'en va, direct lui, à plein milieu du champ de bataille. Hey, salut, C'est mal tué, mais ouais. Chris d'épée. Il a pas de sensé coupable, c'est lui le Chris de cave. Mais on donc. Innocent. Oh, bon, fait que là, c'est fini pour l'instant avec lui, je pense. Alright. Ça va bien. Qu'est-ce que je l'ai checké? Ah, le bandeau. Il est là, t'en esti. Il y a lui, toi, qui est pas pire. J'ai mis mon bandeau, man. Ah oh ben, on t'a pas vu longtemps, hein? On t'a plus avec nous autres pour longtemps. Alright, bon, ok, ça c'est fait. On pourrait aller voir c'est qui elle? Dame Masako? On pourrait aller la voir. Il y a plein de quests d'elle, là. Il y a elle, là. 7 sur 9. 6 sur 9. Et elle, c'est là. 5 sur 9. Bon, fait que ce serait elle qu'on devrait aller voir. Fait qu'un déplacement rapide. Hop, on va aller la voir. Ah, on a un objectif en cours, c'est quoi? Hein? Où ça? C'est où je dois aller? Mais pourquoi je veux pas y aller?
faut, j'ai plus d'objectif en cours, c'est fini. Norio a parlé d'un temple à Kushi qui a besoin de notre aide. Où ça, un temple à Kushi? Et pourquoi, man? Je peux pas... Bon, calisse. On va aller voir Dame Masako. Man, c'est quoi ces fleurs-là? C'est bien beau. Allons-y, Nobu. C'est par là. Il y a des fleurs à Nestie ici, c'est hot. C'est quoi en haut? Ça fait longtemps que j'ai pas vu de source chaude. Oh, lisse, man. Je pensais qu'il fallait que je monte. J'ai vu le calice d'oiseau monter en haut, esti. Qu'on a ici. C'est beau ici. Hey man, c'est où, man? Ah, oh, c'est un camp. Vous savez ce qui s'est passé? Parlez! Nous ne savons rien du tout! Répondez-moi! Comment osez-vous nous menacer? Ah, oh, c'est quoi le problème, là? Monseigneur, vous pourrez peut-être les raisonner. De quoi s'agit-il exactement? Un nouveau récit? Seigneur, je suis Saburo, un marchand des plus respectés à Umugi. Si vous voulez mon respect, méritez-le. Pourquoi menacez-vous ces honnêtes gens? Ma famille a disparu. Ces gens refusent de parler. Quelque chose de terrible s'est passé. Que faisait votre famille ici? J'avais pris des dispositions afin de nous faire quitter l'île. Nous devions venir ici puis faire voile vers Iki. C'est impossible. La flotte mongole contrôle la mer. J'ai payé un équipage de passeurs pour nous conduire en lieu sûr. Des individus peu fréquentables, mais ils ont déjà aidé plusieurs familles. Mon épouse Aki était terrifiée, et notre petit Jotaro pleurait sans cesse. Je me devais d'agir. Et maintenant, votre famille a disparu. Tout comme les passeurs, j'imagine. Et ces gens savent quelque chose? Je découvrirai ce qui leur est arrivé. Et vous, pas un mot de plus. Bien, monseigneur. Mais faites preuve de fermeté.
Ok. Ah, mais c'est que des quests là-dedans. C'est trop gros comme jeu. Écoutez-moi, rassemblez-vous, j'ai à vous parler. Ça manque des jeux qui coûteraient moins cher et qui seraient moins longs à faire. Cet homme prétend que sa famille est passée ici récemment. Les avez-vous vus? Personne? Et qu'en est-il de passeurs proposant de quitter Tsushima en toute sécurité? Monseigneur, je crois que je les ai vus. Une femme et un jeune enfant qui tenaient à jouer. Où sont-ils allés? Je ne les ai pas vus partir. Je n'ai vu personne qui ressemble à cela. Je veux parler à chacun d'entre vous. Damn, ok. T'as une petite minute. Ramasse ça. C'est pas une mauvaise chose, c'est le fun, un jeu t'sais, qui est long pis tout, mais c'est trop gros, c'est trop long. Moi, j'ai... Si, man, je passe sur une affaire, pis après ça, il y a d'autres choses qui se passent, pis... Fait que là, t'oublies... Je sais pas, c'est trop des fois. Avez-vous entendu des réfugiés dire qu'ils voulaient fuir l'île? Seuls les riches en ont les moyens. Demandez à Chuta. Tu as parlé à certaines de ces familles, non, Chuta? Je ne suis arrivé qu'hier, je jure. Pitié, ne me tuez pas. Je ne sais rien du tout. Essaie de s'enfuir. Arrêtez-le, toi. Halt. Je ne sais rien du tout. Épargnez-moi, monseigneur. Pas la peine de courir, imbécile. Je suis innocent. Ah, bon. Me faites gaspiller des kunai, trou de cul. Je t'écoute. Les contrebandiers sont venus. Ils emmenaient la femme et l'enfant du marchand. Je les ai suivis, mais ils m'ont vu. Ils ont dit que si je parlais, ils me tueraient. Ils n'en feront rien, j'en suis certain. Où les passeurs les ont-ils emmenés? À l'ouest. Il y a une tour de guet sur la côte. Il me semble que c'est là qu'ils embarquent. Mais ça ici, y'a quoi? Y'a rien? Non, Chris, c'est bien de la misère. C'est beau ici, man. D'avoir quelque chose en haut. Et ici. Halt, Ronin. Que cherches-tu? Je ne suis pas un Ronin. Mon nom est Jin Sakai. Un samouraï? Dame Sanjo souhaite à vous voir. Elle supervise la crique d'Umugi. Je vous en prie, suivez-moi. Ah, c'est pas ça le temple d'Umugi? Vous devez vous entretenir avec Dame Sanjo. Ah, c'est là! Je suis à votre service. Ouais, cool, c'est... Oh damn! Eh nice, elle est tout! Ah mais là, on l'avait déjà. Ah, moi, je suis correct. Vous ravivez notre espoir. Seigneur Sakai, voici Dame Sanjo. Bienvenue dans la crique d'Umugi. Je vois que les Mongols ont épargné ce lieu. Fort heureusement, il n'y a eu aucune bataille ici depuis des années. Quiconque dégaine son arme doit en répondre devant mes hommes. Sachez que votre sécurité est assurée tant que vous respectez cette règle. Je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je cherche un contrebandier du nom de Goro. Intéressant. Il se trouve en bas, à boire sa troisième bouteille de saké. Vous pouvez aller lui parler. Merci. Revenez me voir une prochaine fois.
Je pense que nous pourrions nous entraider. Ah si, on a une autre légende ici. Ah stick, on a du stock, man, ça finit pas. J'ai tout ce qu'il vous faut. Notez un sable qui est comme sombre. Il serait peut-être cool, man. Avec mon kit là obscur. J'espère que vous ferez bon voyage. Monseigneur, je vous en prie, j'ai un message pour vous. Qu'y a-t-il ? Un démon va me tuer si je ne vous raconte pas son histoire. Arrêtez ces bêtises. Les démons ne sont que des légendes. Pas celui-ci. Son nom est Kojiro, et il est immortel. Il y a des années de cela, Kojiro était un chapeau de paille. Il était tellement cruel et redoutable que même ses frères finirent par se retourner contre lui. Du crépuscule à l'aube, des dizaines de chapeaux de paille attaquèrent Kojiro. Il les tua tous. Ceux qui survécurent ce jour-là bannirent Kojiro de leur rang. Mais jamais plus ils ne le défièrent. Les esprits de la mort furent si surpris par Kojiro qu'ils bénirent son armure et lui firent cadeau d'un bras infatigable. Plus qu'un simple homme, il est devenu un guerrier de légende. Lorsque les chapeaux de paille ont trahi notre peuple en s'alliant aux Mongols, ils ont repris Kojiro dans leur rang, comme un frère. 5 assassins des chapeaux de paille se sont unis à Kojiro et ont fait le serment de vous tuer. Kojiro veut me faire comprendre qu'il me traque. Je serai sur mes gardes. C'est inutile, monseigneur. Kojiro vous fera l'honneur de vous affronter en duel. Mais pour obtenir ce privilège, vous devrez d'abord vaincre les 5 chapeaux de paille qui se sont alliés à lui. Je crois avoir accepté de relever ce défi sans même m'en apercevoir. Oh, on a tué un. Dans ce cas, vous savez qu'ils vous attendent à divers endroits de l'île et qu'ils se serviront d'innocents pour vous abattre. Je les vaincrai, et je veillerai à ce que Kojiro meure après trop d'années de sursis. Soyez prudent, surtout. Je n'avais encore jamais rencontré un homme tel que lui. Enfin, si c'est un homme. Oh, ça c'est hot, man. Fait qu'il nous en reste déjà 5 à péter. Hey, pour avoir une nouvelle armure. Merde! Là, c'est de savoir si on prend une armure de l'armure de Kojiro ou l'armure de samouraï, man. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai failli mourir. Bon. Les risques pris mériteraient d'être mieux payés. Là, j'avais trouvé... Fait que là, on a trouvé le village ici. Une bonne chose. Il y avait l'air d'avoir quelque chose en haut. On va aller voir. J'ai de la misère à arrêter de jouer à ce jeu-là. Le jeu il est vraiment nice pour vrai, man. Mais il y a tellement de choses à faire, là. C'est fou. Il y a trop de choses. Hein? Mais pourquoi que... Hein? Je peux escalader là, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Y a-t-il un secret à quelque part ou je fais juste escalader pas absolument rien? Ok, mangez donc de la merde, asti. Ils disent-tu les endroits, ce qui est du duel? Non. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé ça, man. Ah, je pensais que c'était la dame chose qui était là. L'armure de Kensei. Mais hop!
Là, je comprends pas, elle a disparu, elle, ou... Ah, 3 sur 3. Je vais faire lui. 2 sur 3. Je préfère venir Kenji, man. Ça serait déjà fait. Oh, attends une minute. Est-ce que j'avais une nouvelle couleur? Regarde, ils disent ici où est-ce qu'il y en a? Oh, je vais les affronter, man. Ah! Ok. Ah, yes, c'est tout le monde. Nice. Ah, oh, nice. On va aller s'en claquer des duels. On va faire un épisode dédié à ça, je le sais pas, là. Bref, en tout cas. J'allais voir Kenji, là. Par là-bas. Et shit, je vais me péter à la gueule, man. Ah ouais, déplacement rapide, là, man. J'aurais pas dû escalader, là. Sakai! Mes prières ont été entendues. Cela reste à prouver. Qu'y a-t-il, Kenji? Ah, je dois de l'argent à un bandit. Gon le boucher. Alors paie tes dettes. Bien sûr, je vais le faire. Mais il veut me voir au milieu de nulle part. Ainsi, il pourra me trancher la gorge. Qu'aurais-tu fait pour mériter un tel sort? Il a payé pour une livraison de saké et de remèdes que j'ai réduite pour aider les survivants à fuir Izuara. Et je pensais qu'il ne verrait rien. Il y a de meilleures façons de faire le bien, Kenji. Oh, monseigneur, je suis un idiot. Et tu me demandes de réparer tes erreurs. Pourriez-vous juste veiller dans l'ombre au cas où Gon s'énerverait? Il se contentera de mettre ma tête à prix, si vous l'effrayez. Tes intentions, cette fois, semblaient meilleures que d'habitude. Je veux bien t'aider. Oh. Merci, monseigneur. Ok. Où est l'argent pour payer ton ami bandit? Je l'ai, ne vous en faites pas. Gon nous a donné rendez-vous près d'un pont. Ce n'est pas très loin. Je te suis. À chaque fois que je m'embarque dans ce genre d'histoire, j'ai toujours aussi peur. Tu veux avoir moins peur? Cesse de voler à des tueurs. La première fois que Gon m'a pris, épée. Il ne m'en voulait même pas. Combien de fois lui as-tu menti? 3. Pourquoi es-tu allé frayer avec ce boucher? J'avais égaré des wakizashi de Taro la main rouge. Et Gon avait besoin de saké pour une fête. Alors, je lui ai vendu de mauvaises bouteilles à prix d'or pour couvrir les pertes de Taro. Le boucher a dû beaucoup apprécier. Oh, il s'est rendu compte de rien. C'est quand j'ai recommencé que ça l'a mis en colère. Qu'est devenu Taro la main rouge? Eh bien, j'ai dit à Gon qu'il m'avait vendu le mauvais saké. Je savais pas qu'il irait le tuer. Tu ne t'ennuies jamais. Je sais, monseigneur. Les ennuis me suivent où que j'aille. C'est toi qui les cherches, Kenji. Tu devrais te demander pourquoi. Ouais, quelqu'un qui est mort par sa faute quand même.
Ouais, on arrive-tu bien vite? T'as dit que c'était pas loin, chum. Ce pont est le point de rendez-vous. Arrêtons-nous. Va sur le pont. Je vais trouver un point de vue dégagé sur Gon. D'accord. Si quelque chose tourne mal, je vous ferai signe. Je crierai « C'est un plaisir de vous revoir !» C'est entendu. Ok. Des bandits. C'est un piège. Je dois protéger Kenji. Mieux vaut le faire discrètement. Gon ! Ça aurait été plus simple de nous voir dans la crique. Ce n'est pas nécessaire. On a confiance l'un à l'autre. As-tu apporté l'argent ? Bien sûr. Et pardon pour tout ce qui manquait. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Tuez cet idiot ! Comment qu'ils m'ont... Fuck. À terre ! Baissez-vous ! Sorry, man, je ne t'avais pas vu, les autres. Asti que j'haïs, c'est asti de doudla avec les haches. Les bases! Fuck. Sorry man, mais ça te repérait tout de suite là, ça c'est pas bien. Ben du monde, esti. Je vous dois la vie, Seigneur Sakai. Tu me dois bien plus que ça. Tout ce que vous voudrez. Du saké, du cirage pour sel. Un superbe... Kenji, pourquoi risquer ta vie pour des futilités ? Des futilités ? J'ai besoin de nourriture, d'argent et d'un bon feu. Tu m'as aidé à sauver Taka, à livrer des remèdes aux gens dans le besoin. C'était héroïque, pas vrai ? Tu as du talent, Kenji. Maintenant, mets-le à profit pour le salut de notre île. Bien sûr. L'honneur est ma spécialité. Bon, au moins on a speedrun la patente là. Ça n'allait le tuer anyway, fait que. Bon, charme d'attaque. Augmente modérément la santé. Réduit grandement les dégâts subis. Briser la garde des amis qu'on va faire de la détermination. On est correct pour l'instant. Moi j'aime bien mon build. Bon. Fait que lui c'est fait. Dude, on a un dueliste juste là, man. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, on a ça et tout à aller faire. Ici. Sorry, je pensais pas que l'eau était creuse de même, mais bon. Est-ce que j'ai essayé de nager dans un jeu? C'est mieux ça que de se noyer, là, mais... C'est
assez long nager. Debout, plus vite. C'est vraiment nice, man. Le vent qui t'indique où aller, là, c'est vraiment bien pensé. Ça, c'est vraiment cool. C'est plus immersif là, que de d'avoir un point qui te dit où aller. Aucune trace de la famille de Saburo. Personne qui venait. Et comment on manie une lame? Oh. Voyons. Ah bah. Voyons, c'est-tu de calice? Vise l'autre ennemi! Oh. Crève, calice. Je vais te montrer comment on manie une lame. Oh non, tabarnak. Ils sont forts, eux autres, hostie. Ça finit plus, calice. C'est fini, tout ira bien. Ah, vous nous avez sauvés! Vous ne craignez plus rien. Je ne comprends pas. Il nous avait dit qu'un bateau nous attendrait. Il est impossible de quitter l'île. Il comptait prendre votre argent et vous tuer. Y avait-il une femme et un petit garçon avec vous? Non, personne. Rentrez chez vous. Okay. La famille de Saburo n'est peut-être pas loin. Ah, retourner dans la zone de recherche par là-bas. Oh non. Tué récemment. Un jouet. Saburo le reconnaîtra peut-être. Shit. Il faut qu'il sache. Damn. Pauvre dude, man. Sa femme, son fils. Sûrement. Je travaille le métal, le bois et le tissu. Monseigneur, avez-vous trouvé ma famille? J'ai trouvé ceci. Hmm? Le jouet de Jotaro? Qu'est-ce que ça veut dire? Les passeurs se sont joués de vous. Il n'y a jamais eu de bateau. Non. Tout le monde à Omugi sait qui je suis. Ils n'auraient pas... Croyez-moi. Votre famille est morte. J'ai exécuté les coupables. Vous ne les avez pas sauvés? Quel genre de samouraï êtes-vous? Misérable! Vous nous avez trahis! C'est votre faute! Rien que votre faute! Saburo, nous devons tous rester unis. Prenez l'argent qu'il vous reste et aidez ces personnes à se battre. Mais avant tout, enterrez votre famille.
Ouais, là, c'est sûr, là, il... c'est un choc là, pour lui, là. Ce n'est qu'une question. Bonsoir, monseigneur. Bon. Alright. Bon, là, on peut aller dans la technique. Oh, damn! Tiens. Et voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Ah! Yuna! Ah, c'est vrai, je l'ai terminé Kenji. Mais avant, je l'allais péter le doute qui était là. Ah, laisse faire, Resti, on a un trou ici. Bien. Non, tu fais-tu pas exprès, viens-t'en, calice? Ah! Jean, par ici, vite! Non, attends, je suis occupé, là. On va faire ta quest avant. Pas avant, mais plus tard. Là, elle apparaît dans la map, là. Ok, là. Accélère, nos bouts. Bon, y'a le dude. Peut-être là-bas. Ouais, arrête ça. J'ai fait B là, je sais pas pourquoi que tu t'es mis à sauter comme un esti de mongol. Moi j'aime bien le ciel. Lueur dans le noir. C'est hot ça. Les forces réunies. Les forces réunies. Les plaies se font plus profondes. Les craintes, la crainte de ce qui se cache. Une mer rouge. La renaissance. Protégé de la haine. Baigné de sagesse, n'a jamais échoué. Baigné de l'âne, protégé de l'âne. Des forces réunies. Une mer rouge, la renaissance. Protégé de la haine. Ça me donne tout plein de bandeaux, c'est quand même cool, là. Il est ben hot! Gros, il est fucking hot! Il est donc ben hot, le petit bandeau, man! Mais il fait pas pantoute avec mon armure, je trouve ça plate. Parce que le dude, man, il est fucking hot, tu sais ça? Wow! Mais ça fait pas avec mon armure.
Mais nice, man. Fait Naruto. Avec la grenouille pis tout dessus. On l'essaie ici, cette affaire-là? Je ressemble à quoi, mettons? Non, non, il fait pas. Je vais peut-être le porter un jour, mais pas pour tout de suite. Là, je vais remettre mon bandeau de la sérénité. Ryuzo dit que vous êtes la plus fine lame qu'il ait connue. Je voulais le voir de mes propres yeux. Vous avez tout intérêt à le croire sur parole. Je manie le sabre depuis que je sais marcher. Vous êtes le seul à pouvoir encore me défier. Ça, c'est hot des duels, man. Est-ce qu'on est hot? Check notre armure quand même, qu'elle est cool. J'espère que votre armure est vraiment nice, man, parce qu'elle est dure à battre, celle-là que j'ai là, là. Même mon katana, il est hot, man. Les histoires de Ryuzo sont loin du compte. J'ai l'habitude. J'essaie de faire des perfect dodge, mais calice, c'est tough là. Ouais, hein? Voyons, calice, il se passe quoi là? Bon, calice, man, ça allait fucking bien, pis là, man, ça finit gros, à la fin, j'étais plus capable, là. Si, boire. Vous êtes bien battu, mais c'est terminé. Bon, ça c'est fait. Ah, ça c'est cool, ces missions-là, mon chum. Bon, on va aller terminer avec lui ici. On est juste à côté. On va finir Kenji, mon chum. Bien, vous. Il nous reste 4 duels à faire. On va avoir l'armure éventuellement. Sakai. Kenji, qu'est-ce que tu fais? On peut dire que vous tombez bien, monseigneur. Sur cette route se trouve un camp ennemi avec de quoi nourrir, vêtir et soigner des dizaines, voire des centaines de personnes. Et les Mongols n'y sont pas? C'est une opportunité en or, il n'y a qu'à se servir. Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? C'est un peu plus simple! Pas de Mongols, des tas de provisions! On se sert pour servir le peuple. S'il y a une chance d'en tirer quelque chose de bon, je te suis. Je savais que vous accepteriez, Seigneur Sakai. On va se faire bust.
Il y a un camp droit là, man. On va se faire péter. Ben, on se fera pas péter, mais... Vous comprenez. Comment as-tu trouvé ce camp? Je suis ces brutes depuis un bout de temps. Arrogants comme ils sont, ils laissent leur camp sans surveillance quand ils vont semer le chaos. Qui attendais-tu comme ça, sur la route? Qui ça? Moi? Personne. Je m'en allais justement au camp quand vous êtes arrivé. Les survivants ont trouvé refuge près de la forteresse de Yarikawa. Ils ont besoin de provisions. Ce sont précisément ces gens que j'essaie d'aider. Toi qui va nous balancer. Ou ben c'est ça là. Ou il était épais. Puis on va se faire péter. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu quelque chose? Ouais. Je loot tout, man. Ah shit. Kenji! Je vais te tuer! Qui êtes-vous? L'homme qui va réduire Kenji en bouillie. Tu m'as abandonné ici. Non, c'est faux! J'ai amené des renforts! Voici le seigneur Sakai, surnommé le fantôme. Que l'un d'entre vous m'explique ce qui se passe. Kenji m'a trahi, voilà ce qu'il y a. Pas du tout! Les Mongols devaient payer pour toutes ces marchandises. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Et qu'ils ont pris mon ami Natu, ici présent, en otage. Ils devaient payer ces marchandises? Vous entendez? Ils sont là! Vite! Détachez-moi! D'où teniez-vous ces provisions? On les a volées au chapeau de paille. Ah. Seigneur Sakai, pouvez-vous occuper les Mongols? Ainsi, tu pourrais fuir? Pas tout à fait. J'ai une idée. Faites-moi confiance. Ça suffit, Kenji. Prends ton ami et allez-vous-en. Hop! Hop! Oh, yes. Si je vois rien, crise la caméra, man. C'est ce qu'elle fait chier. Il m'a eu. Kenji. Fuck you, man. L'ami de Kenji. Vous pouvez approcher. C'est fini. Par ici. On est enfermé. Seigneur Sakai, faites-nous sortir de là. Ah. On pensait qu'on y serait en sécurité. Mais ça s'est refermé. Merci, Seigneur Sakai. Oui, merci. Vous savez ce qui vous attend. Je n'ai plus qu'à emmener ce baril de saké jusqu'à... Kenji, je crois qu'il est furieux. Seigneur Sakai, nous avions bien sûr l'intention de reverser nos gains aux survivants dans le besoin, à ceux du camp tout près du village de Yarikawa. Rassemblez un maximum de provisions. Et quand je visiterai le camp, j'y trouverai de la nourriture et des remèdes en abondance. Compris? Oui, monseigneur. Bien, monseigneur. Bon. C'est parfaitement déroulé. Tu appelles ça parfaitement? Même pas de bombe fumigène encore. Tabarnak, man. Et s'il y en a pas dans ce bout de map là, man, des bombes fumigènes qui traînent un peu partout.
Alright, bon, ça c'est fait. Ah, c'est que j'écoute continuer à jouer, man, mais ouais, faudrait que. Là, on l'a eu. On l'a fait. Et Dame Masako qu'on devrait aller voir aussi. Sinon, il y a lui qui est pas trop loin que je pourrais peut-être aller affronter. Ça, c'est une petite side quest, hein? Bon. Ben, écoutez, moi, je pense qu'on pourrait cesser là-dessus. Là. Ça fait quand même 2h15 d'épisode. Là. Je pense que le prochain épisode qu'on va faire, on va commencer les quests de Masako. Ou Yuna avant. Eh oui, Yuna, on n'avait pas vu la dernière fois. On peut faire Masako, man. Yuna, il y en a juste une. Bon, fait qu'on va faire Dame Masako prochaine fois. Fait qu'on va aller ici, au camp, puis elle, elle serait supposée être proche. Tu es au courant? Ishikawa Sensei n'est pas mort à Komoda. Il a survécu au combat? Comment? Il n'y a jamais été. Il veut nous amener où? Que lui aurait pu nous aider face aux Mongols. Oh, tu m'amènes où, man? Ah, yeah! Ça fait longtemps, Asti. On n'a pas eu ça. Yes, on va finir l'épisode là-dessus, man. Hein? Réconfort. Tout ce qui me manque, c'est du saké, un bol de miso, une bonne nuit de sommeil, une femme à mes côtés. Oh, mais voilà, man. Donc, alright. Donc, man, bel épisode, man. Sérieux, là, vraiment cool. Donc un grand merci à ceux qui ont pu le regarder, puis nous on se retrouve pour la suite, man. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.